Une alarme rouge vient tout juste de se déclencher. Un avion en détresse est détecté dans l'espace aérien de Tours. Il faut pouvoir lui porter assistance le plus rapidement possible. Rassurez-vous, ce n'est qu'un exercice, mais ce scénario illustre bien les missions de la police du ciel. Cette permanence de sûreté aérienne est présente à la base 705 de Tours depuis hier. Sur tous les terrains de l'armée de l'air française en métropole, eh bien, les commandants de base doivent être susceptibles d'accueillir ces avions pour des durées essentiellement variables. Nous n'avons pas ces avions à demeure ici à Tours, donc c'est la raison pour laquelle nous les accueillons dans des périodes assez courtes, de 8 à 10 jours. L'unité de sûreté aérienne présente cette semaine à Tours est composée de deux avions Mirage 2000, des avions équipés pour pouvoir assister des appareils en détresse, mais aussi armés pour intervenir en cas de présence d'avions hostiles. Être pilote sur ce genre d'appareil demande des compétences très spécifiques. C'est vraiment des sensations incroyables qui demandent quand même beaucoup de... En fait, un long apprentissage. Et je crois que la plus grande satisfaction, elle vient de là, c'est quand qu'on est capable de piloter un Mirage 2000. C'est quand même beaucoup d'années de travail derrière. Après, les plaisirs en vol sont vraiment... ils sont forcément associés, mais l'investissement que représente de pouvoir piloter cet avion est vraiment conséquent. Et du coup, lorsqu'on y arrive, c'est une grande... Un grand plaisir. Afin de protéger notre espace aérien, il y a toujours entre 4 à 6 unités de police du ciel qui tournent dans différentes bases sur le territoire français.